qu'il semble loin le temps du Royal Fabfour. Alors que le couronnement du roi Charles III est désormais à nos portes, certaines fuites sur les relations entre les membres de la famille royale britannique permettent de se faire une idée de l'ambiance dans laquelle va se dérouler cette grande cérémonie. Le prince Harry, qui a finalement annoncé sa participation à l'événement, ne voulant pas manquer ce qui s'annonce comme à peu de choses près, le jour le plus important de la vie de son père, celui-ci risque tout de même de se sentir bien seul durant l'événement étant en froid avec de nombreux membres de sa famille. Pourtant, nous révèle la commentatrice royale Kinsey Schofield dans le podcast To Die For Daily de Fox News, malgré la rancœur que peuvent avoir Kate et William à l'égard de Harry, ils gardent tout de même un amour profond pour lui. En revanche, cet amour ne s'étendrait pas jusqu'à Meghan Markle, la compagne du duc de Sussex. Dans son podcast, la journaliste a expliqué, William et Kate toléreront la présence de Harry parce que, malgré la rancune et la trahison, un amour profond subsiste chez eux pour lui. On ne peut pas dire la même chose pour Meghan. Je pense que William et Kate auraient eu beaucoup plus de mal à supporter sa présence. Pour autant, pas question pour le couple de faciliter d'une quelconque façon une entrevue avec le duc de Sussex. Les organisateurs du couronnement travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte qu'il y ait le moins d'interactions possible entre le prince Harry et son frère et sa belle-sœur. Un manque de rencontre qui devrait être facilité par la venue express du prince, celui-ci prévoyant de repartir le jour même pour assister à l'anniversaire de son fils Archie. Mort d'Elisabeth II, l'apparition surprise de William et Harry, Kate et Meghan, les Fab Four réunis dans le deuil prince William, ce différend qu'il a eu avec sa belle-mère, Camilla. Le prince Harry n'est d'ailleurs pas la seule personne à avoir des différends avec le prince William. Récemment, des commentateurs royaux ont rapporté que le prince de Galles aurait été en colère après Camilla Parker Bowles à cause d'une tradition ancestrale qu'elle aurait souhaité suivre et que le futur roi trouverait de son côté dépassé. Cette querelle, bien moins grave que celle avec son frère, aurait cela dit déjà trouvé sa fin, la reine consort ayant été encline à la requête de son beau-fils, afin qu'il soit apaisé. Crédit photo, agence.